Ça arrive quand même qu'il y ait des erreurs de casting. Il y a une Lotus là. Rien à voir avec toi là. Une copine de Mia, elle vient d'Irlande. Après l'effort et le réconfort, c'est l'heure d'y retourner. On va cette fois-ci aller sur la Northlife. Et petite correction concernant la Lotus qu'on a vu tout à l'heure, elle est bien équipée d'un moteur Honda. Le propriétaire l'a swappé à l'aide d'un moteur B18 d'Honda Integra. Donc il n'y a pas de souci, elle a bien droit à une petite place dans le rassemblement MIMS. Allez, nous sommes de retour dans la voiture, on va pouvoir y aller. Allez, cette fois-ci, je vous propose un premier tour du Northlife seul, une petite pause, et si tout se passe bien, deux tours à la suite, derrière. Circuit pour l'instant fermé, on devra attendre un peu. Allez, cette fois c'est la bonne, on est parti pour le premier tour du jour.
Allez, pendant que Mia refroidit, on va regarder un petit peu ce qu'elle a enregistré. Un régime maximum de un peu moins de 7000 tours, donc j'ai pas fait de rupteur. Une vitesse max de 166 km par heure. Et un chrono qui continue de défiler, mais qui était en dessous des 12 minutes. J'ai de toute façon clairement pas cherché à faire un chrono, et ce sera pas le cas non plus pour les deux prochains tours. Pour ceux que ça intéresserait, elle a consommé 11,1 litres au 100 en moyenne sur cette boucle d'une vingtaine de kilomètres. Donc franchement 11 litres en attaquant modérément, ça reste économique, même si on n'est clairement pas là pour ça. We'll be right back.